Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Inscriban. Aujourd'hui, c'est notre première vidéo, c'est la première vidéo de la journée. Quoi? De la semaine! Mes frères et sœurs, c'est la première vidéo de la semaine. Oh, les frères et sœurs, parce que nous sommes chauds today! Nous sommes chauds ce matin. Et ce matin, nous avons envie de vous parler de quelque chose d'extraordinaire que nous avons découvert. Franchement, c'était même étonnant. De quoi s'agit-il? Nous allons tout voir à côté ici et ce sera à vous de nous dire dans la partie commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous, dans cette situation, vous serez prêt à réagir de la sorte ou encore comme eux? Franchement, ça va vous étonner. C'est quoi? Une expérience sociale. Let's go! Bien! C'est quoi une expérience sociale, mes frères et sœurs? Une expérience sociale, c'est tout simplement une expérience qui se mène sur les humains. En fait, un de nos collègues est sorti et il a mené une enquête sur un sujet ou encore sur les hommes par rapport à son sujet. Et il a découvert des choses qui nous ont dépassés. C'est pourquoi nous faisons même cette vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'il a découvert qui nous a vraiment épaté. Et franchement, vous serez étonnés. Il s'est levé un bon matin et il a dit qu'il va travailler. Il a dit, je vais travailler sur un sujet très intéressant. Il s'agit de poser des questions aux hommes et aux femmes. Et cette question-là, la seule question qu'il a posée tourne autour de ça. Il a posé la question aux femmes. Dites-nous, est-ce que vous êtes prêtes à accepter 20 appels d'un copain la journée ou bien de votre mari pendant le jour? 20 appels par jour. C'est-à-dire, il vous appelle 20 fois par jour. Est-ce que vous accepteriez ça? Il a fait la même chose aux hommes. Est-ce que vous accepteriez que votre copine ou votre femme vous appelle 20 fois par jour? Et la réaction de ces gens ont été étonnants. Ça a été étonnant. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. La première personne a dit, de quoi tu parles? Mon copain va m'appeler 20 fois par jour. Eh bien, j'hallucine ou quoi? C'est du harcèlement? Pourquoi vas-tu m'appeler 20 fois par jour? Non, je ne peux pas dormir. C'est insupportable. Mais de quoi tu parles? Hein? Et moi, quand je regardais sa réaction, franchement, j'étais quand même étonné. Bon, j'ai poursuivi la vidéo. Voici comment je suis tombé sur une autre personne. Une deuxième femme. Cette fois, cette fille, elle était avec sa copine. Il a posé la question à la première. Dis-moi, accepterais-tu avoir un copain ou un mari qui t'appelle 20 fois par jour? Elle dit, franchement, sans risque de te tromper, pour ne même pas te blaguer, non, je n'accepterai pas ça. Ce serait insupportable. Franchement, je n'accepterai pas ça facilement. Non, je ne suis pas d'accord même avec. Je ne suis pas d'accord. À la limite des textos, qu'il m'envoie des textos, toutes ces histoires, je préfère ça au lieu qu'il m'appelle à chaque fois. Non, c'est abusé. Et sa copine qui est à côté, la deuxième fille, il a maintenant touché à la deuxième fille qui est à côté. Et vous allez voir la réaction de cette fille, ça va vraiment vous étonner. Il a repris la question encore. Est-ce que tu accepterais que ton copain t'appelle 20 fois par jour? Elle dit, je suis libre. La journée, je suis libre. Donc, il peut m'appeler autant de fois qu'il veut. Il peut m'appeler autant de fois qu'il veut. Ah! Sa copine, maintenant, elle regarde comme ça. Quoi? Elle dit, il peut m'appeler
autant de fois qu'il veut. Je suis libre. Ah, je n'ai rien, je n'ai pas de souci avec ce problème. Si nous sommes ensemble, si on s'aime, et quel que soit le sujet, il peut m'appeler autant de fois qu'il veut. Il peut même m'amener des textos, tout ce qu'il veut. Franchement, je suis patente. Et ce dernier a eu l'intelligence de reposer encore la même question à l'autre fille qui venait de répondre. Et elle a dit, bon, et qu'en penses-tu maintenant? T'as mis la réaction de ta copine? Que penses-tu de la réaction de ta copine? Elle dit, franchement, je ne sais plus rien, je ne sais plus quoi dire. Il dit, mais on dirait que tu veux maintenant rejoindre ta copine. Elle dit, franchement, je ne sais plus, je suis confuse. Mon Dieu, elle est confuse. Parce que sa copine a réagi différemment et elle, quelque chose en elle lui dit que franchement, ma copine là, elle n'a pas tort quand même. Hein. Ok, on va revenir. Et ce dernier a poursuivi ses interrogations sur l'expérience sociale. Et il a trouvé qui? Une autre fille. Et il a posé la même question à cette fille-là. Est-ce que elle aussi, elle était à sa copine. Est-ce que tu accepterais avoir feu appel fenêtre de ton copain? Feu appel par jour, c'est ça, tu dis non? Il dit oui. Elle dit, franchement, pour ne pas te mentir, non. Ce serait du harcèlement, ce sera abusé. Une fille qui va vous dire qu'elle va accepter ça, franchement, ce serait abusé. Et il a posé la même question encore à sa copine. À la copine qui était à côté. Les deux sont tous tombés d'accord sur le fait que qu'un homme les appelle 20 fois par jour, franchement, c'est un peu abusé. Ah! Mais à un moment donné, les deux se sont regardés et elles ont dit, franchement, nous appeler 20 fois par jour, c'est abusé, mais ne pas nous appeler aussi, ça fait passer comme si vous ne vous intéressez pas à nous, vous n'êtes pas un homme attentionné. Non, nous, on veut quand même qu'on attire votre attention. On veut quand même attirer votre attention. Mais what? Mais tu veux pas qu'il t'appelle 20 fois par jour? Mais tu veux tu veux être attentionné? Qu'est-ce que tu veux? Moi, franchement, je te comprends pas de quoi tu parles. Ok, il n'y a pas de souci. On va en venir. Et il a poussé sa recherche et il est tombé sur trois hommes maintenant dans son expérience sociale. Trois hommes. Trois. Voilà, c'est comme ça, non? Voilà. Et les trois, j'ai tenté de causer. Il est arrivé là, il dit, bonjour, mes amis. Il dit, bonjour, que fais-tu? Il dit, nous sommes en pleine expérience sociale. Nous cherchons à savoir si vous accepterez que votre copine ou votre femme vous appelle 20 fois la journée. Les trois se sont regardés comme ça. Ils se sont regardés le jeune. Ils se sont regardés encore. Ils l'ont regardé et ils ont dit, mais c'est abusé, de quoi tu parles? 20 fois par jour, limite, quoi. Non, c'est pas possible. Non, 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 non. Il dit, mais elle t'aime beaucoup, c'est pourquoi elle t'appelle. Il dit, oh non, 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 même si elle m'aime. Moi, franchement, il dit, non, 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 franchement, non, 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 non. Hey! Hey! Et la dernière personne qu'il a trouvée a dit franchement, c'est vrai, m'appeler 20 fois par jour, ça me montre que franchement elle est attachée à moi et que je suis le seul dans sa vie, mais c'est quand même un peu abusé. Il faut quand même une certaine limite. 20 appels par jour, c'est abusé. Peut-être si c'est un testo, on peut dire qu'elle s'est trompée ou bien il s'est trompé pour un testo, mais 20 fois comme ça, s'appeler par jour, franchement, c'est abusé. Hein? Mes frères et sœurs, quand j'ai vu la réaction de toutes ces personnes, je suis resté là et je me suis posé moi-même la question de savoir, est-ce que j'accepterais que ma femme, je dis bien, je ne dis pas copine, je ne suis pas dans une histoire de copine, ma femme, est-ce que j'accepterais que ma femme m'appelle 20 fois dans la journée? Posez-vous aussi la question, vous qui regardez la vidéo là, mes frères et sœurs, joli, joli, beau ce matin là. Dites-moi,
Est-ce que vous accepterez cela? Réagissez dans la partie commentaire en vous entendant. Si vous aimez ce type de contenu, ce type de vidéo, laissez tout simplement un j'aime parce que ce n'est que le commencement. C'est l'expérience sociale numéro 1. Préparez-vous pour une autre dimension. Bien. Est-ce que Jean Suribon et toute l'équipe, j'ai regardé toute l'équipe et on s'est posé la même question de savoir, mais est-ce que nous on l'accepterait? Franchement, moi personnellement, avoir une femme qui m'appelle 20 fois dans la journée, ce n'est pas la pire chose qui puisse arriver à un homme, ou même à un homme, à une femme. Pour moi, c'est quelque chose de normal. C'est comme si vous marchiez ensemble. Quand vous marchez ensemble et que vous échangez des paroles, est-ce que vous pouvez compter le nombre de paroles que vous échangez? Non! Non! Vous causez et vous aimez. Même si vous êtes des frères et sœurs, comme vous échangez combien de paroles par jour? Plus que ça. Donc pour moi, je pense que c'est la même chose, n'est-ce pas? Bien sûr que oui! C'est pas la même chose! Réagissez dans la partie commentaire, j'attends votre réaction aussi. C'est une expérience sociale, ça nous concerne tous. Et ça démontre aussi, si elle m'appelle 20 fois par jour, ça démontre son attachement à moi. Ça démontre qu'elle se confie à moi, elle aime ma compagnie, elle m'aime bien et elle trouve en moi quelqu'un en qui elle veut se confier. De toutes les façons, on s'est mariés, nous formons désormais une seule chair. Pourquoi m'inquiéter? Pourquoi? Elle peut m'appeler autant de fois qu'elle veut. Parce que elle et moi, nous formons une seule chair. Je suppose que si elle m'appelle, c'est comme c'est moi-même qui suis en train de m'appeler. Ou bien, oui. Quand je te regarde dans le miroir et tu es beau là, est-ce que tu dis au miroir, je me suis assez miré 20 fois par jour, donc je ne m'aimais plus? Tu ne savais pas ce qu'elle a te dit, mais c'est ta pépère qui dit, ah chérie, j'ai une bonne nouvelle. Écoutez, prenons un exemple. Cet appel par TP dit, ah chérie, wow, j'ai une bonne nouvelle, c'est la première appel. Hein. Chérie, j'ai une très bonne nouvelle. On vient de recevoir 1 million d'euros. Va, tu dis, non, tu m'appelles 20 fois par jour. Tu vas lui dire, appelle-moi 2 fois encore. Cet appel 2 fois pour te dire, ah, on veut d'avoir 600 000 euros. Tu as dit, ça c'est intéressant. Troisième, 2 millions d'euros. Il a dit, ça commence à être vraiment intéressant. Hein. Continue à m'appeler comme elle ne t'appelle pas pour te parler d'argent là. Ou bien il ne t'appelle pas pour te parler d'argent. Là, tu dis, non, tu n'accepterais pas. Sinon, tu as dit, ça dépend. En tout cas, parmi ces gens qui ont répondu, il y a une personne qui a dit, franchement, ça dépend. Il peut m'appeler aussi, ça dépend. Quand il dit ça dépend là, c'est par rapport à jeton, l'argent. Est-ce que. Il va m'appeler pour me dire, je vais prendre de l'argent ou bien j'ai une surprise pour toi, un cadeau. Même s'il t'appelle pour te dire, bonjour chérie, je t'aime, tu es mignonne, tu es belle. Qu'est-ce que ça te fait? Il n'y a même pas de problème. Donc, pour moi, quand on m'appelle, 20 fois par jour, là, c'est une bénédiction. Et si elle m'appelle encore pour me dire qu'elle m'aime, et elle m'annonce de belles bonnes nouvelles comme ça. Je suis partant. Parce que c'est ma femme. C'est ma cote. Oui. Ah! Et 20 fois là, mine de rien, c'est pas facile d'appeler quelqu'un 20 fois dans la journée. Tu as le téléphone à l'oreille 20 fois. Quelqu'un va dire, c'est abusé. Limite. C'est pas mauvais aussi. Ça aussi, ils ont pas tort. Elle-même qui t'appelle là. Tant qu'elle n'est pas fatiguée de t'appeler, toi, il ne faut jamais être fatigué de décrocher son appel. Parce que vous deux, vous êtes unis pour la vie. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Un jour, si elle t'appelle, qu'elle est fatiguée d'avoir l'oreille, le portable est chaud.
Mais si je t'appelais 20 fois au cours de la 20e appel, peut-être le portable peut se décharger. Qu'est-ce que tu sais? Elle peut se réveiller pour dire, franchement, je l'ai appelé 20 fois hier. Limite, aujourd'hui, je peux me reposer un peu. Je peux les laisser tranquilles. Parce que l'amour, là, ça s'entretient. Si quelqu'un t'appelle quelqu'un, toujours tu l'appelles. À chaque fois, il te voit, vous causez toujours, 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 c'est comme ça, là. On va se lasser un peu un moment. Donc, il faut quand même une certaine distance. Oui, là, nous sommes d'accord avec. Parce que les relations humaines s'entretiennent. Oui, c'est très importantissime. Oui, mes frères et sœurs, je pense que là aussi c'est oui. Donc, d'un côté à l'autre, ce n'est pas faux, mais il faudrait que vous arriviez à vous entendre. Oui, mais il faut parler de façon simple. Si tu es par exemple occupé aujourd'hui, ou tu as une réunion d'affaires, ou réunion d'entreprise, tu peux lui dire franchement, j'ai une réunion d'entreprise, tu m'appelles à telle heure ou après telle heure. Je pense que c'est normal. Et ta femme ou encore ton homme, il est largement intelligent. Elle est largement intelligente pour savoir qu'aujourd'hui tu es occupé, elle connaît ton programme. Mais si tu lui dis, tu m'appelles 20 fois par jour, c'est abusé, elle va se demander, mais est-ce que tu me trompes pas là? Est-ce que mon mari, il est fidèle? Est-ce que ma femme là, elle est fidèle? Est-ce que je suis le seul homme de sa vie? Est-ce que je suis la seule femme de sa vie? Voici des questions qui peuvent venir. Et ça, c'est pas cool. C'est tout sauf cool. C'est une expérience sociale qui nous a vraiment étonnés. Ce sont des choses qui peuvent nous arriver à nous tous. Ici, Seigneur Sribon, nous parlons en général des choses intéressantes, des choses waouh. Et aujourd'hui, nous avons décidé de commencer une expérience sociale. Vous soumettre des expériences sociales pour voir quelle serait votre réaction par rapport à de tels sujets qui vont même venir. Après cette vidéo, il y aura certainement une autre vidéo qui va venir, expérience sociale. Ne manquez pas cette vidéo, ça va être chaud sur Young's Reborn. Waouh, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mari. Et puis, si vous avez un homme ou une femme, de temps à autre, là, sortez avec elle, allez en salle de cinéma, allez dans un endroit, des endroits chics. Hein. Pour essayer de passer un bon temps avec votre femme. Oui, c'est important. C'est très important aussi. Voilà. Vous sortez, vous vous habillez chic, bien joli. Et vous allez dans un restaurant. Tu dis à ta femme, franchement, ma jolie, ma femme, tu es belle. Ou bien elle va dire, mon homme, tu es joli. Faites comme ça aussi, souvent, c'est pas mauvais. Mais toujours, on est à la maison. On ne sort même pas. Nos habitudes, nos vieilles habitudes, ou encore quand on s'est connu, la manière dont on se chérissait, on a oublié toutes ces choses. Mais frère, ce moment de se rappeler ce genre de choses, ça peut réveiller beaucoup de choses en nous et ça peut encore améliorer nos relations, nos rapports avec ceux qui nous entourent ou encore ceux qui font partie de nous. C'est intéressant. Mes frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Réagissez dans la partie commentaire. Si vous aimez cette vidéo, laissez tout simplement un j'aime comme ça. Et aidez-nous à atteindre les 100 000 abonnés en cliquant sur s'abonner si ce n'est pas encore fait et sur la cloche pour l'activer et let's go. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous et préparez-vous pour une autre vidéo extraordinaire. Une autre vidéo témoignage puissant aussi qui va arriver. Franchement, aujourd'hui, ça va être chaud. Nous vous rappelons également que sur toutes les chaînes sur bonnes, des vidéos vont venir, vont apparaître aujourd'hui. Vous pouvez les regarder même. Cliquez sur l'onglet sur bonnes de ces vidéos. Vous aurez accès à la page d'accueil où vous allez voir plein de logos s'afficher, cliquez carrément sur s'abonner dessus cette vidéo, dessus ces logos si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, abonne-toi, suis-nous et suis-nous partout parce que nous sommes une famille désormais. Et chaque jour, si nous sommes bon, une nouvelle vidéo apparaîtra. Une ou plusieurs. Mes frères et sœurs, nous travaillons sérieusement et nous entrons directement dans une autre dimension. Soyez prêts, partout où vous allez, chaque jour. Transportez Dieu avec vous et surtout lisez la parole de Dieu. Le message de ce jour, surtout dans Éphésiens 6, verset 11, Dieu veut vous armer. Allez lire la parole de Dieu, le Seigneur sera là, il va vous trouver là, chevaux. Ça va être chaud. Et je salue votre famille, je salue tous ceux qui sont auprès de vous, c'est vraiment très important.
Merci au passage à tous ceux qui vont s'abonner, à tous ceux qui se sont déjà abonnés, à tous ceux qui nous soutiennent par les dons. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, pour le soin de vous, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Bon, jusqu'à ici, nous vous disons tous merci. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, pour le soin de vous. Je salue votre famille. Portez-vous bien. Avant de traverser la route, vous regardez à gauche et à droite. C'est très important. Et avant de sortir de la maison la journée, il faut aussi prier. Ça, c'est plus important qu'important parce que Dieu est là pour vous protéger. Invoquez le serment et il viendra. Let's go.